Bonjour la famille, c'est toujours Guilmas dans les vidéos de motivation. Encore une fois, merci. Encore merci à tous ceux qui prennent du temps à s'abonner à la chaîne ici du Colonel Guinness TV. Parce que, analyse, on a zo ça, là, c'est sur des analyses objectives. Encore une fois aussi à tous ceux qui mettent des j'aime. À passage, je salue toutes les bonnes femmes, toutes les mamans, toutes les femmes battantes, toutes les femmes qui supportent la vérité sur les réseaux sociaux. Coucou à vous. C'est moi Guilmas, votre tonton Muyomba. Naza Awa, je suis là pour des analyses encore une fois objectives. La petite Jaël ici, moi je vais parler parce qu'elles sont des analyses. Elle dit toujours que Papou se Fali Poupa. Elle est là pour Fali Poupa. Donc elle oublie que derrière Fali Poupa, il y a une concubine de Fali qu'on appelle Nana Ketchup. Maintenant on a Grâce Thémou. Elle a dit qu'elle est la femme du patron. Donc, on a Grâce Thémou aussi. De l'autre côté, nous avons une légende qui est à respecter jusqu'au dernier jour. Kofi Olomide, la légende planétaire africaine, avec sa femme, Cindy Lecker Agbepa Olomide, Mamasi. Vous, les femmes jalouses, vous, les femmes qui n'acceptez pas les défaites, vous, les femmes qui ont déjà passé, qui ont déjà connu plus de 5 garçons, 6, 7, 10, et j'en passe. Tout le monde n'est pas créé de la même façon. La femme ici, elle a oublié. Elle oublie même que les attaques contre Cindy Lecker, ça va créer les attaques contre la concubine de Fali Poupa qu'on appelle Nana Ketchup. Moi, je ne mens pas, je vis avec des réalités absolues. Chers amis, la petite ici, elle est malade. Soit elle fait des choses expressement. Elle veut clasher la guerre. Elle veut clasher une guerre qu'elle ne connaît même pas le commencement et où ça va finir entre Kofi Olomide et Fali. Puisque Kofi Olomide, c'est un monsieur qui est protecteur. Souvenez-vous d'Alia. Comment Kofi Olomide protégeait Alia? Aujourd'hui, la protégée de tout le temps, c'est notre mamasi Cindy Lecker Agbepa Olomide. La fille ici, quand elle prend son temps, plus de 3 vidéos, en train d'acharner, d'insulter la personne, la femme de quelqu'un. La femme de quelqu'un. Petite, si tu avais vraiment de belles lèvres, tu penses que le foyer est fondé par des lèvres? Tu penses qu'on aime quelqu'un parce que quelqu'un a une couleur, a un teint peut-être clair ou quoi? Ce n'est pas comme ça. La fille, la femme ici, la femme de Kofi Olomide, quand vous la regardez là, quand vous la regardez même, normalement là, à taille réelle, montrez-moi parmi toutes les femmes congolaises, camerounaises, je sais pas, ivoiriennes, qui insultent Kofi Olomide et sa femme. Montrez-moi seulement une femme qui a le niveau de Cindy Lecker. Côté la aspect, côté taille, côté la beauté, côté le teint. Cindy Lecker, elle a un teint naturel, bois noir, nous étions moindo. Elle a l'argent pour mettre des crèmes. Elle a l'argent pour transformer sa peau. Mais elle préfère rester naturelle. Elle préfère rester naturelle. Regardez la façon dont elle est cossue dès le ventre de sa maman. La fille qui ne parle pas trop. La fille qui écoute, au lieu de beaucoup parler, elle préfère écouter. Ce n'est pas la qualité de n'importe quelle fille d'aujourd'hui là. Encore, elle est jeune. Elle a tous les atouts comme vous. Elle parle même plus que vous, mais elle sait comment se contrôler. Elle sait quoi dire et quoi ne pas dire. Ça, ce n'est pas donné à n'importe quelle femme. Bravo à notre légende Kofi Olomide d'avoir dans sa vie une femme qui a le don d'écouter. Et donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas comme les dévergondés qu'on voit chaque jour sur les réseaux sociaux parler pour ne rien dire. Mais quand Cindy parle, c'est tout le monde qui écoute. Puisque quand elle parle, elle tourne sa langue 7 fois avant de parler. C'est la femme que tout le monde est convaincu
de sa personne, de son savoir-faire, de son franc-parler, de sa musique, de sa, tout le monde, sans exception. Maintenant, la petite comme Jaël, elle a chanté où? Côté voix, elle n'a pas la voix. Elle ne sait même pas danser. Elle a un corps comme Mukombo, un corps qui est dur, qui ne bouge même pas. Mais regardez ce que notre maman, notre Cindy Leker a fait à Côte d'Ivoire, Abidjan. Ici, le 31 décembre 2023, pour être clair. Donc, c'était 2023, ils sont partis jusqu'au 1er janvier 2024. Donc, on peut dire deux jours, dans un seul conseil, elle a fait deux jours. La dame, la façon, elle a dansé. La façon, elle a joué. La complicité entre Koffi Olomide et Cindy Leker. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire ça? Regardez, moi, si je parle de Nana Ketchup, ça tombe mal. C'est pour ça que je me réserve, puisque c'est une personne que tout le monde connaît sur les réseaux sociaux. C'est la seule femme de tous les musiciens que depuis que je connais la musique. C'est la première femme qui est capable de monter sur au podium, aller se mettre au podium. Une femme de la soi-disant. Ça, c'est au-delà de ma passée. Je ne veux même pas parler de ça. Je ne veux même pas aller sur les poils là. Je comprends pourquoi Fally n'a pas le temps pour lui-même. Fally n'a pas le temps pour sa concubine. Parce que le comportement de sa concubine n'est pas le comportement d'une femme. Non, c'est une femme de Snapchat. Elle veut être partout. Elle veut... Maman, Jaël, les gens-là qui te regardent, les gens qui te regardent, ma chère, tu fais la honte de la femme congolaise. Tu fais la honte de la femme africaine. Comme tu viens de dire, comme tu as ouvert la bouche, tu dis que Presse Bakali, il y a un journaliste là, Presse Bakali, tu dis que c'est Koffi qui la voit pour t'insulter. Ça, ce sont des mots que tu as enlevés de ta bouche. Comme Bakali parle pour Koffi Olomide, en venant te répondre, tu déduis directement que c'est Koffi Olomide qui l'a envoyé. Toi, tu penses que Koffi Olomide a le niveau d'envoyer quelqu'un pour aller t'insulter, toi. Toi. Tu penses que vraiment Koffi Olomide va s'asseoir, il va envoyer quelqu'un, va insulter quelqu'un. Comme ça, vraiment comme ça. Un Koffi, une personne comme Koffi Olomide, la personnalité de Koffi Olomide, vraiment, toi, tu es devenu qui, Jaël? Toi, tu es qui? Pour que Koffi, ça charge, ça prenne de toi. Maintenant, comme tu dis, tu parles au nom de Fally Ipupa. Quand tu viens citer Cindy Leker, on déduit automatiquement que toi également, c'est Fally qui t'envoie. Ce n'est même pas une autre personne. C'est Fally qui est en train de t'envoyer. Alors, il faut préparer. Il faut préparer. Ce que moi, je sais, en tant qu'analyste, au moment où je fais la vidéo, tout ce que je sais est que Cindy Leker, il n'y a personne qui connaît le passé de Cindy Leker. Il n'y a personne. C'est une femme qui est venue de nulle part. Elle est venue de Koulmatope. On l'a vu directement avec Koffi Olomide. Il n'y a personne qui connaît le passé vraiment incroyable de Cindy Leker. Personne. Donc, avoir une personne que toi-même tu connais, il n'y a aucun homme qui peut être heureux. Avoir une femme, donc c'est ta femme. Toi-même tu l'as connue, c'est à toi. Il n'y a pas des histoires. Maintenant, si tu regardes ton papa là, ton papa, soit disant ton papa que tu dis papa, toi tu le défends, donc il t'envoie pour insulter. Donc Bakali aussi, on la voit pour insulter. Maintenant, toi, ton papa là, on connaît le passé de ton papa. On connaît le passé de la femme de ton papa. Tout le monde sur les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement toi, ce n'est pas seulement moi. Tout le monde, les vidéos sont là. Sarah Tola a donné tout ce qu'elle pouvait, juste pour informer le monde entier. Les Camerounais connaissent le comportement de Nana Ketchup. Les Ivoiriens, ils connaissent. Les Sénégalais, les Burkinafés, les Togolais, tout ce monde-là, les Angolais, les Brazzaville, tout on sait la vie de votre concubine, des concubines de Fally Ipupa. Maintenant, tout ce que tu vas nous amener sur les réseaux sociaux, la petite là, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau de ce que tu nous parles de Koffi Olomide? Qui ne connaît pas que Koffi Olomide, c'est l'homme de la femme dans la communauté congolaise? Tout le monde le sait. Au Côte d'Ivoire, c'est pas à Côte d'Ivoire, à Abidjan là-bas, il y a combien de femmes qui cherchent Koffi Olomide? À Abidjan, combien de femmes? Pas seulement les tantines, même les gens de 25-20 ans, ils cherchent Koffi Olomide. Combien? Regarde-toi,
Et compare-toi maintenant à tous ces mondes-là qui cherchent Koffi Olomide. Toutes ces femmes-là qui sont derrière Koffi Olomide. Compare-toi d'abord avec tous ces gens-là. Au Cameroun, c'est la même chose. Au Sénégal, en Europe, là-bas, moi, je fais la vidéo. Il y a des femmes qui hésitent Koffi Olomide, c'est parce qu'elles ont échoué d'être avec Koffi. À l'occurrence, Arlette Kajinga, une femme jalouse, elle n'a jamais pensé que Koffi Olomide pourra la déballer comme ça. Mais la réalité est venue devant ses yeux que Koffi Olomide n'est pas intéressé à de telles femmes. Ce ne sont pas les goûts de Koffi Olomide. Maintenant, à plus forte raison, un Jaël chaud, qu'aucun homme peut aimer, un homme vraiment, un homme de qualité peut aimer. Elle dit que j'étais avec Koffi, Koffi, 6 ans, les gens à voir, j'ai des lèvres. Toi, tu as des lèvres, toi, quand on voit les lèvres des femmes, toi, tu as des lèvres. Et soyons d'abord sincères, est-ce que toi, tu as des lèvres, vraiment, que quelqu'un va dire, tu as des lèvres. Hé, hey, maman, toi, tu as des lèvres, vraiment. On met la fille ici, c'est pas Bibiche. Il y a des femmes qui, donc, quand on vous dit que ça c'était des Koffi, ça c'était des. Donc toi là, la femme comme Alia, donc Koffi t'appréciait par rapport à Alia. Mais toi on t'a menti. Peut-être moi je peux dire, tu plaires au nom de Koffi, peut-être tu sortais avec tonton de tonton. Mais pas avec Koffi Olomide. Koffi c'est un homme, même s'il t'a balancé, il voulait seulement jouer avec toi pour te montrer que tu n'es rien. Une fois, un homme, même si tu dis que même si on attrapait un homme maintenant avec une femme, si tu ne connais pas, après 15 minutes, il y a des femmes qui vont chercher à sortir avec le monsieur là. Mais une femme, comme tu t'es sali toi-même, Ngana Bimana Koffi, moi je sortais avec camarade à Koffi, Ngana Bimana, Nazana Jonanga, maman, tu vas mourir seul. Tu vas mourir seul. Il n'y a aucun garçon qui sortent avec des poubelles. Il n'y a aucun. Regarde ton ami Karine Mokonzi. Il n'y a personne. Regarde Grace Mbizi. Personne, aucun homme avec H majuscule va sortir avec poubelle. Une femme qui n'a pas de nom. Une femme qui n'a pas de dignité. Une femme qui n'a pas de respect. Il n'y a aucun garçon. Si tu trouves un garçon derrière Karine Mokonzi, c'est parce qu'il n'a rien. Il n'a rien à faire dans la vie. Il n'a pas d'adresse. Il n'a rien. Si tu vois quelqu'un à côté de toi, Jaël, moi je te parle la vidéo avec ma soeur. S'il y aura un homme qui va te prendre comme copine, cet homme-là, si tu regardes le fond de ces messieurs-là, ce n'est pas un homme. Un homme avec H majuscule, c'est un homme qui doit avoir une femme de qualité. Une femme comme Cindy Lecker, une femme qui écoute trop. Et parle peu. Mais toi qui parles trop, tu n'écoutes pas. Même pour. Il y a des gens qui écoutent peu. Mais toi, tu n'écoutes même pas. En conclusion, je dirais ceci. Après votre réunion avec Koufali et Poupa, quand Koufali vous disait qu'il faut laisser à insulter, c'était sur les réseaux sociaux. Je suis sûr, peut-être je peux me tromper. Après avoir tourné votre caméra off, l'éteindre, il vous a dit qu'il faut continuer. Parce qu'une personne qui est intelligente, qui aime, qui comprend, qui écoute, les gens comme Kissinjora, Manik et toi, vous continuez à insulter. Ça, c'est votre don. C'est pour toi, je ne sais pas si tu as quel âge. Regarde votre groupe, les gens qui insultent, toutes les femmes qui insultent sur les réseaux sociaux. Dis-moi celle qui est au foyer. Donne-moi un. Manik, célibataire. Kissinjora, célibataire, toi, célibataire, et toutes les femmes de votre génération-là, célibataire, puisque vous n'avez pas de comportement, vous n'avez pas ce que l'homme cherche dans la vie. Réalité est que même si tu as de belles lèvres, tu as une très belle taille, tu as une beauté extrême, si tu parles trop, tu ne vas pas trouver garçon. Garçon cherche la femme qui parle peu et qui écoute trop. Vous allez vivre. Notre sœur Cindy Lecoeur, elle n'a pas besoin de faire le marketing pour être attirée par un homme. Elle n'a pas besoin de parler pour que les gens sachent qu'il y a une femme Cindy Lecoeur.
Son calme, c'était le marketing. Son savoir parler, c'était marketing. Savoir écouter, c'est le marketing. Alors, vous qui vous faites des chantages sur les réseaux sociaux, la bonne femme, elle est déjà marketing elle-même. Cindy Lequin n'a pas besoin de tout ça, mais elle est dans un foyer extrêmement riche, un foyer extrêmement supérieur, un foyer de complicité. Regardez Kofi et Cindy, partout ils passent, en France, à Dubaï, au Kenya, à Côte d'Ivoire. Regardez la complicité entre ces deux gens-là. Danger. Je vais vous parler de la chanson Bonheur de Cindy Lequer et Kofi Olomide demain. Soyez à l'écoute. La chanson-là arrive. Je vais vous parler de la vérité que vous n'avez pas compris dans la chanson-là. Moi, votre frère Gilmas Muyomba, tonton des tontons, Yasolo, je vous salue vraiment à grosso modo. Vous qui m'avez écouté jusqu'à cette heure-ci, en tout cas, big up et bisous.